Une petite démonstration d'un train piloté par un ESP8266. Voilà, là il tourne. Voilà l'interface pour pouvoir accélérer ou diminuer. Voilà, là j'ai diminué un peu. Là j'ai accéléré. Et maintenant, dans la gare, un autre ESP8266 avec un lecteur RFID pour provoquer l'arrêt du train, quelques secondes, et le redémarrage. Donc on va changer l'aiguillage. Maintenant, il va s'arrêter. Sauf que j'ai aiguillé l'autre côté. Alors on va commencer. Voilà, arrêt, 10 secondes, et redémarrage automatique. Donc, une petite puce RFID dans le train, quand il passe devant la gare, ça provoque l'arrêt, et 10 secondes après, le redémarrage. Changer de voie, c'est celle-là. Hop. Hop. Et c'est reparti sur l'autre voie. Parce que si, comme la puce RFID se trouve trop loin de la gare, il ne s'arrête plus. Par contre, on peut l'arrêter avec l'interface ici, en diminuant la vitesse, on diminue encore la vitesse, et on s'arrête. On redémarre. Et voilà.